Kubala de l'équipe vert. Oui, Clem Ouais. et Aikuda. Et viennent emmerder chez vous. Ouais. Clem banni, Aikuda, j'ai déjà banni tout à l'heure. Ok. Merci. Voilà qui est fait. Plus de problème sur le mumble. Bon, alors Samandra. Voilà, donc là, les deux verts, ils sont définitivement. Enfin, l'équipe verte est définitivement hors jeu. Ils ne peuvent plus revenir sur le terrain. Et sinon, nous avons ici les rouges. Ici les rouges qui se font attaquer par quelqu'un. Non, ah, il y a un coffre ici en haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, rien de spécial, je ne sais pas. Par contre, on a un rouge ici qui fait une embardée direction l'équipe bleue. Équipe bleue. Oui, c'est équipe bleue. Toujours équipe bleue. Hop. Alors, on me dit que c'est la première fois que ça ne bug pas. En effet, ça ne bug pas, mais le problème en fait. Ce qui me dérange, moi, c'est que le stream soit pas en haute qualité. Là. Ça dérange pas pour le moment, mais ça dérange, je trouve, après sur YouTube. Enfin, j'essaierai de résoudre ça quand j'aurai un nouvel ordinateur. Ce qui est, je vous l'avoue, de loin pas maintenant. Alors là, on a de la TNT qui pète. Ouh, ça c'est un GG. Joli tir. Un deuxième TNT qui perd. Vindox qui meurt pas. Il a de la chance. Par contre, encore une TNT qui pète. Ouh, mais ça va faire du dégât. Il faut faire péter les coffres. Allez, tiens, presque. Non, là, ah oui, bien joué. Bien joué, joli tir. Encore. Ah, celle-ci par contre, je pense que pas qu'elle va être très efficace. Ah, il a peut-être plus de torches. De redstone. Oui, non, oui, non, oui, non. Allez, non, voilà. Vous voyez, là, ça tombe dans l'eau. Ouf, c'était bien essayé le catapultage. Mais non. Slash save. Parce que votre équipe est pas foutue de jouer dans les règles. Les autres ont été ban. Voilà, simplement. Bon, là, ça ne sert à rien, hein, tirer de la TNT dans l'eau. Ça ne sert. Il est où? Ah, il y a une TNT qui a pété là. Pas de bol. Pas de bol, il y en a une qui a pété pas loin. Mais ah, est-ce qu'il avait peut-être posé sur un truc. Alors, une de plus, non, c'est toujours dans l'eau, ça ne sert à rien. Allez, faut t'appliquer. Attendez, on va juste voir s'il y a encore beaucoup de TNT. Alors, qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Francis, slash MC Francis. Ok, il lui reste 4 TNT. Il y a suffisamment de torches de redstone. Il reste 4 TNT quand même. Ah là, par contre, il y a des creepers qui explosent. Boui. Bouyaka. Boum. Non, ah, il récupère un peu l'expérience. D'ailleurs, je vais essayer de pas tout lui piquer. Et sinon, au niveau des incursions, non, tout le monde est dans sa base. Voilà. Bon. Et nous venons passer la barre des 2 heures de live. Exactement. 2 heures de live, et vous êtes toujours... Ah, ça a un peu baissé, vous êtes un petit peu moins de 200. Bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir que vous soyez toujours là. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, cette finale, je la trouve palpitante, même si on a un petite baisse de régime là depuis quelques minutes. Bien que là, nous ayons Eli Poil qui soit avec ART2 et ils sont bleus. Et là, nous sommes dans la base des rouges, c'est ça? Non, la base des bleus. Ouais, on est dans la base des bleus. Donc, ils ont été essayer de récupérer, de tuer le gars. Ah! Presque! Elle est où? Je ne peux pas lui partir. Bon! Stop la camp SVP. Sinon, je vais commencer à faire spawn du mob. Plop.
Plus rien ne se passe. C'est tranquille, c'est. C'est les vacances. Nous, on se fait attaquer par les deux équipes. Ça, c'est. Le message n'est pas forcément pour tout le monde. Nous avons Elipoil au milieu du terrain, accompagné de personnes qui fait du kill. Elipoil qui s'approche dangereusement de la base des jaunes, mais qui est quand même poursuivi par beaucoup de monde. Hein. Ah, Elipoil. Ah non, attendez, Elipoil il est là. Elipoil il est déjà dans la base des jaunes. Je n'ai rien dit. Elipoil est dans la base des jaunes. Est-ce que Direxem va oser monter? Alors maintenant que Warnix est venu l'accompagner. Oh, je crois que Elipoil a mis un coup à Warnix. Attention, Elipoil, Warnix contre Direxem. L'homme contre la femme. Et l'homme a gagné. Désolé, non, c'était pas. C'était pas tout son. Ah, par contre, on a un sniper. Le sniper. Où est le sniper? Oh, il est un peu dans la merde, fantôme, parce que du coup, il défend, mais à distance. Ou pardon, je t'ai poussé. Mes excuses. Il défend, mais à distance, donc il faudrait qu'il descende rapidement pour venir aider ses compatriotes. Ah, quoique, Jim est ici. Bon, on va kick un slash whitelist. Remove Etienne. Slash kick Etienne. Etienne ne se prend pas un ban, il se prend juste un kick. Ouais, là il y a du lag un petit peu, alors je pense que c'est chez moi, mais j'en suis pas sûr. Ça c'est un ban, vu que tu l'as des whitelist. Ouais, mais c'est quand même pas un ban, il s'est pas pris un ban dans la tronche. Enfin voilà, on a toujours les bleus qui sont là, qui essayent de d'attaquer les jaunes, mais non. Ah, mouche. Mouche. Et ouh. Référence. On te demande de baisser un peu la musique Minecraft. Ok, je vous baisse un peu la musique Minecraft. Voilà. Attendez, non, ça va baisser la voix de la jolie voix suave et sexy de Hershey. Je vous laisse la musique de Minecraft là. Voilà. J'allais faire une référence. Je sais. J'allais faire une référence. Alors, film français, année à peu près 2000, pas très 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 connu, mais qui est très très drôle. Lol. Bon, bref, qui était un bon film, marrant et tout. Alors, le truc, c'est, à propos des mouches, c'est Beware, la mouche, Beware. Le premier, alors je pense que vous êtes peut-être un peu jeune, mais de quel film vient cette référence? Je vous donne 5 minutes. Après, je vous donnerai la réponse. Bon. Je peux te dire, j'ai 17 ans, je connais pas la réponse. Voilà, on me l'a dit, c'est... Ah, GG, c'est mon frangin qui l'a sorti, c'est... Ma femme s'appelle Maurice. C'est un film très marrant, je vous le conseille si jamais vous l'avez jamais vu. Beware, la mouche, beware. Ok, jamais vu. Bon, Vindox, Vindox qui se fait canader, non? Non. Où est-il? Oh oh oh! Ça, c'est la base rouge. Ah, ouh, là, il y a du monde. D'accord, on a AR qui est bleu, qui se fait courser par Bouboule. Ah, mais là, Bouboule a fait une grosse erreur. Du coup, il a laissé la place à AR51 pour repartir. Voilà. J'ai oublié de te dire aussi, tu as deux fanboys sur le chat. Alors, j'ai vu qu'il y a un As de cube. J'ai pas vu le deuxième, par contre. Et il y a un As de Big Fan. D'accord. Bon ben, bonjour à vous deux. Ah, bonjour à tous ceux, hein, ou 200 qui êtes là. Alors, je ne ferai pas spawn des Ender Dragon parce que c'est pas, les serveurs sont pas trop faits pour, en fait, disons. Il y a un problème avec la barre de vie, je crois, qui pose un peu des soucis. Par contre, des gaz tout à l'heure, ça, il n'y a pas de... Il y a un bleu sans skin. Qui? Slash, save, qui?
Bah oui, je pense bien que c'est un bleu. Alors, TP Warrior. Non, pas Warrior. TP, Warnix, TP Warrior. Attendez, juste faire une déco reco. Pour voir peut-être si. C'est peut-être. Slash TP Helipoil. Ah ouais, ouais, ouais. Slash Say Helipoil. Attendez, Helipoil est en train d'activer. Alors, les poils qui brûlent et les poils qui récupèrent un peu de stuff. Et les poils qui. Hop là, les poils qui meurent. Du coup, slash say. Et les poils, je te demande vite. Allez, changer de skin. STP. Maintenant qu'il est mort, je l'ai pas coupé. Et sinon, c'est. Je te vois en chien. Chien. Slash save, il faut que tu coupes entièrement Minecraft pour que ça change. Ça, c'est mon chien qui pleure. Pourquoi il pleure? Attendez, je reviens. Du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? On a ici qui est-ce? Suisse. Au-dessus de la base bleu. Non, le chien je l'ai mis dehors. Alors. Suisse qui est là. Ah d'accord, Suisse qui doit se balader. Un petit Suisse avec la TNT. Oh yeah, il a 10 TNT sur lui. Et 6 torches de redstone. Alors attention, ça va commencer. Ça y est, il a déjà posé sa première TNT. Il l'a fait, il la perd. Ok, perdu une TNT, dommage. Là par contre, je sais pas comment il va l'allumer. Hein. Ah d'accord, là c'est mieux. Hop là, et une TNT qui tombe. Et oula, sur la tronche de R51, 2. Boum, et boum, et boum encore. Et boum encore. Il y a tout qui pète, ça explose dans tous les sens, de tous les côtés. Encore. Oh yeah! Ouais, boum! Ok, bon, destruction légère de à la TNT. Et il finit par mourir et qu'il drop tout son stuff ici au milieu. Oh, attendez, non, pas. Là. Voilà. Alors, du coup, est-ce que. Ah, eux, ils n'ont pas de. Si, ils ont un chemin pour monter quand même, par là. Ah, on en a un deuxième. Ah non, c'est AR51 qui a fini par monter. Est-ce qu'il va essayer de sauter? Allez, il est facile le saut là quand même. Là, juste dans le trou qui coule là. Hop là, voilà, facile. Bon, sinon, nous avons Jim. STP. Jim. Jim, on n'a pas encore beaucoup vu. Hein. Jim, lui, il reste ici sur le poste avancé de l'équipe des rouges. Non, des jaunes, pardon. Pendant justement que les rouges font une avancée. Et que là, on a Fantôme. Qui va mourir, non? Oui, non. Oui, non, oui, non, oui, non. Ah, peut-être, peut-être pas. Alors, Fantôme ne connaît pas la technique pour regarder derrière son main. GG! Magnifique saut de Fantôme. Est-ce que. Est-ce que Flea va essayer? Il hésite. Oui, non, peut-être pas. Olé! Il était facile aussi comme saut. Mais en tout cas, c'était bien joué en plus dans l'action et tout. Pas mal du tout. Bon, what else? Toujours les rouges ici, mais au-dessus de la base des verts cette fois. C'est les verts, ça. Mais oui, c'est chez les verts. Je sais pas s'ils savent ce qu'ils font, mais slash say. Bon, non, on va les laisser faire en fait. Ils sont chez les verts là. Lol.
Lolololol. Se passerait autrement, mais on a toujours ces trois sagouins là-bas. Ah, ils ont apparemment compris qu'ils étaient dans une équipe qui avait. Ah non, ils ont non, ils ont toujours pas compris. Flee. Lol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 . Oui, non? Est-ce qu'il a fini par le comprendre? Non, toujours pas, hein. Il a peur de vouloir. Non? Allez! Allez! Non, je sais pas. Ah, par contre, on a Fantôme qui a une TP Fantôme. Qui est là. Oups, là, petit lag, petit lag, petit lag. Ah, beaucoup de TNT qui doit péter, là, je pense. Je sais pas, en tout cas. Fantôme qui continue son incursion dans la team rouge. Ah, nous avions Suisse qui a réussi à faire une petite embardée chez eux. Aussi. Non, non. Est-ce que peut-être TP Flea? Est-ce qu'il l'a peut-être fini par comprendre? Non, non, toujours pas, hein. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, mais. Tant pis, TP Suisse, on va continuer, hein. Ouh, là, ça lag un poil. Oh, ça ne lag plus, voilà. Ok, il retire de nouveau l'eau, comme ils l'ont déjà fait sur. Je sais plus si c'était sur cette équipe ou l'équipe bleue, mais en tout cas, ils retirent l'eau de la muraille pour pouvoir poser un peu de TNT. Où est la TNT d'ailleurs? Ah, c'est lui là-haut. Non, c'est pas lui là-haut. Je sais pas, il y a de la TNT qui pète en tout cas. Alors, nous avons Fantôme et Suisse qui sont dans la base des rouges. Attention, Fantôme qui va essayer de commencer le minage d'une. Oui, non, est-ce qu'il peut. Oui, Fantôme qui commence le minage. Attention. Premier bloc, bientôt. Non? Ah, Fantôme qui hésite. Fantôme qui back. Ouais, autant sécuriser un peu la coin d'abord, le coin. Fantôme qui recommence. C'est parti. Pour la deuxième fois, Fantôme qui mine le bloc. Attention. Premier bloc cassé. Oui, non. Attention, on a un rouge. Attention. Premier bloc cassé pour l'équipe jaune. Enfin. L'équipe jaune a cassé le premier bloc du totem de l'équipe bleue. Rouge, vert, noir, bleu. L'équipe rouge n'a plus que deux blocs sur son totem. GG. Et par contre, Fantôme fait du kill. Fantôme où est-il? Fantôme est là. Jim est là. Ok, on a trois jaunes qui sont dans le. Alors. Ok. Ici, ah, par contre, on a Francis qui essaye de faire du dégât. On a toujours une Fire Aspect dans une des équipes. Et voilà, par contre, le Full James meurt. Et on a des refs là qui est tout nu et qui meurt. Voilà. Sinon, Flea. Je ne sais pas ce qu'il fait Flea, mais Flea est toujours en train de s'occuper d'une des bases. Et sinon, c'est tout. Est-ce qu'il manque peut-être un rouge? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le totem slash say GG, non, c'est les rouges sont éliminés. Plus que deux équipes. Slash say, oui. Voilà. Plus que deux équipes, félicitations les jaunes cette fois. Donc nous avons les bleus qui ont éliminé les verts et les jaunes qui ont éliminé les rouges. Voilà. Et il nous reste donc de ce côté-là les jaunes. La team Never Too Old contre la team en face, ici même, des bleus. Les bleus qui sont les We Are Legends. Et puis voilà. Tout simplement. Mouche! Plus de mouche! Je crois que je vais les garder en trophée, moi. Chaque mouche que je tue. Non, je déconne. Hein. Slash say. Slash TP. Ok. Elle y poil est là. Elle y poil est bleue. Elle y poil. Elle y poil. Elle y poil.
Fin de l'action, Helipoil sera Helipoil change de skin ou votre équipe prend une pénalité, d'un bloc sur votre totem. Merci. HTP Helipoil déco reco slash save. Non, et j'ai encore le chien qui me qu'est-ce qu'il fout ce con. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais je vous jure. Ah, il faut que je reboote moi Minecraft de A à Z. Non, moi je m'en fous hein, de pas le voir, mais. Ok, je vais le faire, comme ça on va vérifier. Hop. Minecraft. Il y a une bordure, non, il n'y a pas de bordure, c'est très bien. Slash TP, Helipoil, ok, c'est vrai. Ok, slash C. Ok, c'est bon. Bug de Minecraft, il a bien le skin. Bon, nous avons donc les rouges. Oh, deux rouges à poil. Deux rouges à poil contre Helipoil qui est ici en haut. Est-ce que le totem. Ah non, mais les rouges sont éliminés. Les rouges sont éliminés. Non, non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon, au niveau des jaunes, le totem. Ah, oh, ah, ça c'est nouveau par contre. Il y a du sable ici. Où est leur totem? Ah, il est là. Ok. Ah non, la lave est nouvelle, c'est ça. D'accord. Elle est full legit et... Enfin, full légale. Plutôt. Et de ce côté-là. Il y a toujours un totem entier. Fantôme qui frag, fantôme qui frag, fantôme qui frag. Personne. Ah mais les jaunes. Non, ok, ils sont chez les rouges et les rouges qui avaient justement perdu pas mal de stuff. Fantôme qui fouille. Qui se croit chez lui, hein. Il est chez lui, il a éliminé l'équipe, écoutez. Si on avait appliqué les lois romaines sous l'Empire romain, les jaunes auraient dû violer les femmes des rouges. Donc s'il veut se fouiller dans les coffres, moi je pense que ça leur suffit. Hein. Oui, je raconte n'importe quoi et comment ça durer là. Il faut que je trouve de quoi dire pour pas laisser trop de blanc, donc j'essaie de meubler comme je peux. Bon, au niveau de la minimap, nous avons les rouges apparemment qui sont avec les bleus. Attendez. TP Francis. Non, pas fantôme. Francis du 30. Ah non, j'ai rien. Ok, ils essaient. Oh, oh, Francis. Il y a Onissi qui est en train de te dire que tu dis n'importe quoi parce que si. Ça marchait comme tu le dis, elle aurait dû se faire violer je sais pas combien de fois, vu le nombre de fois où t'es mort. What? J'ai dit comme, j'ai pas dit on va le faire. Regarde le chat. J'ai vu le chat. Ah, là, vous voyez, ça s'ouvre plus derrière. Nup. Ça va se faire contrôler les bleus. Ah, je crois que derrière a vu quelque chose. Non. Sur la minimap, nous avons... Non, fantôme est toujours une belle couleur.
Comment est-ce qu'il a fait pour péter lui? Ah attendez, ouh attendez, vous voyez ce que je vois peut-être? Ah! Suisse et RGR 51 qui se fight, ils sont le même stuff, ils sont à égalité, mais Suisse a un avantage de position. Ça y est, Warnix a pris la relève. Je pense que Suisse a meilleur temps de s'en aller. Ouais, il pose un mur pour ralentir, ça c'est bien joué. Allez, oh, ils sont trois, ça c'est dangereux, il n'y a plus personne dans leur base. Un petit zombie, bonjour. Il n'y a plus personne dans la base des bleus. Et du coup, est-ce que quelqu'un va en profiter? On a toujours Francis Dutronc qui est par là, qui est toujours à derrière les coffres, qui est en train de péter les coffres. GG Francis! Allez, continue. Oh yeah, boum, il n'y a plus. Là, je peux pas voir ce qu'il y a dedans. Il a même récupéré de la stone pour pas qu'on voie ce qu'il était là. Boum, plus rien. Continue. Boum, plus rien. Bon, là, c'est un peu des coffres useless, hein, mais... Allez, continue. Boum, plus rien. Encore. Ah, par contre, je vois sur la minimap qu'on a... trois bleus qui sont là. Ah non, c'est... Non, mais les bleus, c'est... On est dans leur base ici, en fait. Ah, là, par contre, il s'est foiré. Ces blocs... Ok, il est en train de tout masquer. C'est tant pis pour eux. Alors, on a ici Vindox qui a repéré quelque chose. Vindox qui... Va voir, voilà, il voit que les coffres sont pétés. Vindox qui ne comprend pas. Il y a de la zone, il n'y a rien d'autre. Que se passe-t-il, mon dieu, seigneur? Seigneur, c'est vous? Non, il y a toujours... Non, bah, il n'y a plus de stuff. Ah, voilà, d'accord, ils ont quand même du stuff. Alors, ici, alors, il y a de la TNT qui pète. Où sont-ils? Ou est-ce que c'est un creeper? On a un rouge ici qui essaie de faire peut-être une petite... Je sais pas ce qu'il fait. Et les poils, TP fantôme. On a du combat. Je suis en train de louper un peu des combats. Ah, où est-il, fantôme? Je sais pas où c'est ici. Je ne sais pas où il est. Fantôme jaune est dans la base des jaunes. D'accord. Et sinon, sur un minimap, on a des refs. Des refs qui est dans le camp des jaunes. TP, des refs. Est-ce qu'il. Alors non, slash des refs. Est-ce qu'il a fait soit une équipe, soit il est AFK. Ok, il va se noyer. Non. Ok, non, il n'a pas fait l'équipe. Ok. Et sinon, nous avons 1, 2, 3, 4. Il me manque un... Ah non, TP Suisse. Hop, là. Ok, Suisse qui était spotted, apparemment. Alors, comment on nous l'a, je ne sais pas. Mais nous l'avons. Suisse, retour à la maison. Et sinon, est-ce que Francis, il est retourné chez lui? Ouais, Francis est retourné à la maison. Slash Infsi Francis, est-ce qu'il a pu récupérer? Non, il a dû se faire tuer. J'ai dû... Ouais, il a été tué par Warrior 17. Je l'ai loupé, tant pis. Bon, lag. Ouais, bah, je dis pas rien, moi. Sinon, nous avons... Oh! Ah non, 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 j'ai rien dit, j'ai confondu sur un minimap. Vous voyez le bleu en haut à gauche, il s'agit de fantôme qui est jaune, en fait. Hein. Toujours la même bug, mais c'est juste que je l'ai pris pour un bleu. Et donc, nous avons 4 bleus à l'extérieur de la base. Plus que 3 bleus, direct, ça m'est retourné. TP Dameus. Ok, alors lui, il est tout nu. Et par contre, nous avons ici Jimmy. Non, Jim. Et Suisse qui snipe. Suisse qui est, je vous l'avais déjà dit, hein, qui est un PGM sur Counter-Strike. Alors, ça m'étonnerait pas qu'il joue à l'AVP tout le temps, vu la manière qu'il a de sniper avec l'arc. Comprendra qui pourra. On va vous expliquer CS non plus. Qui est là? Knock knock. Who's there? Non, Vindox. Ah, non, toujours en bleu. Helipoil contre... Non, ils sont toujours... Il y a Francis Dutronc qui était quelque part par ici. Alors, nous avons un rouge ici qui vient se prendre une flèche ou qui est tombé. Non, il s'est pris d'un petit peu de dégâts.
Ah, c'est remonté, vous êtes de nouveau 210. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes toujours là après 2h30 de live. Oh, que ça finisse. Non, je déconne. Non, non, c'est juste un petit peu lent là, mais ça va repartir, ne vous en faites pas. J'attends toujours. Là, c'est vraiment la fin du tournoi, les deux équipes les plus puissantes qui sont là. Et donc, il faut juste une petite erreur d'une des deux équipes pour que quelque chose se passe. Voilà. Slash TP Bouboule. Qu'est-ce qu'il a? Ah d'accord, Bouboule se... Ouf. Ouh là là. C'était un peu casse-gueule. Ah bah du coup là, il a fait en sorte que les squelettes s'entretuent. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'il va faire lui du coup? C'est intéressant de voir comment sont codées les intelligences artificielles. Là, elle vient de tuer mais involontairement un squelette. Du coup, elle s'est pris une flèche d'un autre. Enfin bref. Ça compte n'importe quoi. Slash TP... TP qui? Francis? Francis qui continue de miner. Autour des coffres de l'équipe bleue. Il est juste là derrière. Alors, est-ce qu'il va une fois de plus réussir à trouver où sont les coffres et pouvoir tout péter? Alors là, ça pourrait faire très très mal s'il atteignait ses coffres, car regardez, ici... Oh... Oh... Hop, ce qu'il y a ici, projection... projectile protection, voilà. J'ai un peu de peine. Alors, où il est? Ah, il est là, il est en train de péter les coffres, ça y est. Premier coffre, attendez, il faut que je m'enlève. Hop là, premier coffre pété. Il a posé la stone juste après, il l'a rien vu. Ah, AR51 n'a rien vu. Excellent. Bien joué, Francis. C'est très bien joué. Ah, deuxième coffre. Attention, c'est pas encore celui-ci. Ah, AR51 a repéré quelque chose. Il l'a vu. Ça y est, deuxième coffre qui pète. AR51 n'a toujours pas compris. Là, il doit être en train de gueuler ce même mal. Putain, il y a des coffres qui se pètent tout seul. Génial. Ah, il devrait attendre Bouboule. Il devrait rester là-bas derrière. Francis, pardon. Il va rester là-bas derrière et ne pas bouger. Et attendre qu'il parte. Et là, il pète tout. Ah, vous voyez, là, il y a toujours le stuff en diamant qui est là. Alors, café. Francis. Ok, il est toujours là. Alors, je veux juste te dire un truc, Azofi, c'est que sur le Mumble, c'est en train de faire des alliances. Ça change le channel. D'accord, d'accord. Alors, je regarde ça. Never too old. Donc, dans les bleus, il y a... Non, moi, je vois personne. Oh, je sais pas, bon. Ah, voilà, il a pété un coffre en plus, alors. Regarde chez les rouges. Chez les rouges. Alors, il y a Ah, d'accord, nous avons Fantôme qui est dans le chan des rouges. Ok. Ok, d'accord. Et là, nous avons donc ce Francis ici qui est en train de péter absolument tous les coffres, c'est génial. Oh, c'est génial. Bien joué, Francis. Le move du... Je pense que il va avoir droit au move du match. Et il est en train de péter tous les coffres sans se faire repérer. Et c'est les bleus, hein. Je vois que tout le monde est pour les bleus, mais là ce sont les coffres des bleus qui sont en train de voler en éclats. Allez Francis, pète tout. Non. Non, continue de péter les coffres, il n'y a personne. Il n'y a personne. Au niveau de la map, il y a toujours chacun est dans son camp. Donc là Francis, il est en train de faire tourner le match à l'avantage des jaunes. Voilà, tout simplement. On va juste encore réussir à brûler tout ça. Et à péter ce coffre-là. Et ce coffre-là. Alors, où est-il, où est-il? Ah, c'est pas les bons coffres qui l'attaquent, là y'a rien, là y'a rien, là y'a rien, là y'a rien, c'est pas les bons coffres. Ah, voilà, y'en a un qui meurt. Ah, c'est un zombie, c'est un zombie. Ok. Et il est toujours pas repéré. Allez, pète ces coffres, là, là. Non. Poc, 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 knock, un coffre de plus. Mais il voit pas qu'il y a rien qui tombe. Faut continuer où il était en haut. Il faut continuer où il était en haut. Merde, alors. Là y'a un deuxième rouge. Boubou FDP, qui est là? Qui se fait courser par Warmix? Ah, Warrior, d'accord, il est en train d'essayer d'occuper peut-être l'équipe. Alors, ici, non, il ne remonte pas. Ah, par contre, est-ce que Warrior l'a repéré cette fois? Non, toujours pas. Toujours pas, toujours personne qui va dans les coffres des rouges. Des bleus? Non, les bleus ne vont toujours pas dans leurs coffres. Nous avons toujours Fantôme qui est dans l'équipe des... dans le salon des rouges. Alors. Non mais il n'y a rien dans ces coffres, Bouboule. Non, Francis. Francis remonte. Il reste trois coffres là. C'est les trois coffres les plus importants. Trois coffres les plus importants. Ah ok, il remonte. Il va peut-être continuer. Confiance, il n'y a toujours rien ici. Allez. Que fais-tu, Francis? Sneak, 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 sneak. Cache-toi. Voilà.
Les bleus qui sont gentiment au bout du rouleau. Il ne faut plus qu'ils meurent. Dernière chance. Alors, est-ce que ces coffres vont finir par voler en éclats? Oui! Oui! Le coffre full ici est en train de voler, le deuxième ici, la même chose! Et le troisième, allez, maintenant le plus beau, il faudrait juste récupérer à réussir à récupérer la TNT. Voilà. Récupérer la TNT et tout faire péter. Ou un seau de lave, ou un briquet, n'importe quoi, mais tout faire péter. Et là, ce serait vraiment magnifique. Et là, ce serait vraiment splendide. Bon, est-ce que même il va réussir à se barrer peut-être slash TP Francis du 30. Ok, il est en train de tout récupérer et tout balancer. Slash save, c'est à cause de Francis. Slash save, mais c'est pas grave. Slash save. Voilà. En tout cas, Francis, là, il a vraiment GG. Mais ce bordel, c'est ça qui fait laguer. C'est tous ces drops là qui traînent sur la map. Francis qui est toujours... Voilà. Bon. Boubou love DP, il y a de fort Francis là qui est tout seul. Voilà, AR51 qui va remarquer avec Warrior que tout est pété. Il y a tout qui traîne par terre. Non. Et, ah, elle y poil aussi. Alors... est-ce que R51 va le retrouver? On va trouver le petit saligo qui a fait ça. Où es-tu? Sale gamin! Vandale! Terroriste! Ok, bon, pas de bol. Ils auraient dû tout péter. Il aurait dû tout péter, c'est dommage. Et il a récupéré tout ce qui est en diamant. Et voilà, Francis qui meurt. C'est pas grave, Francis qui mérite quand même le move du match. Là, c'était franchement bien joué. Bien joué, c'est dommage en tout cas. Du coup, ils ont récupéré tout le stuff en diams. Bon, sinon, nous avons les jaunes qui campent dans leur camp. Que font-ils? Un ici. Un ici. Un. Non, pas ici. Ah, mouche, une mouche. Pardon pour le micro. Et je l'ai loupé en plus. Excusez-moi. Voilà. Shaun the bête. Non, vous ne pourrez pas venir sur le serveur après parce que sinon ça va être le bordel si j'accepte tout le monde. Déjà que le serveur n'est pas à moi, il est gentiment prêté, je vais pas encore venir le faire exploser en acceptant 200 personnes de plus. Donc non, vous ne viendrez pas sur le serveur. Bon, où est Suisse? Ah, oh, 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 TP Suisse, TP Suisse, TP Suisse, TP Suisse. Je crois savoir que Suisse est par là. Suisse, où es-tu? Suisse. Suisse. Il est là. C'est bon, je l'ai vu. Il est là, d'accord. Alors ça, alors là, moi, je dis GG. Alors là, le move du match, je pense qu'il peut se battre avec Francis, parce que là, c'est franche... Ok, j'ai rien dit, c'est pas GG. Ah, dommage. Bien essayé, Suisse, mais dommage. Est-ce que peut-être... Non, voilà, il meurt. Non. Dommage. Vraiment, c'était bien joué. Tant pis pour lui. Et oui, ça, c'est une chose que, si vous ne savez pas, je vais vous l'expliquer, hein. Maintenant qu'il n'y a plus personne, je peux vous le montrer. Si vous êtes en sneak au bord d'un bloc et que vous posez du sable, attendez, je vais prendre du sable, voilà. Je me dévaniche, comme ça je peux poser un bloc et je vais aller faire ça de la bataille. Comme ça, vu qu'il n'y a rien qui se passe pendant un petit coup, ça vous occupera. Petit moment comment on fait comment on dit de. C'est le professeur S2P qui va vous apprendre un truc. Si vous sneakez au bord d'un bloc, vous ne pouvez pas tomber. Si vous posez un bloc là, d'accord. Ah là je peux pas le poser pardon parce qu'il y a le spawn, je vais le faire juste ici, voilà. Si je pose là, il tombe. Mais par contre si je le pose ici en fait, il va considérer que je suis sur le nouveau bloc et du coup je vais tomber. Voilà, c'est un truc à savoir, apparemment, Suisse soit il ne le savait pas, connaissant sa manière de jouer, je pense qu'il le savait, il l'a peut-être simplement oublié.
Et c'est le principe du Jumpcraft. Merci de le Exactement. dire aussi. Exactement, c'est le principe du Jumpcraft. Bon, j'ai fait péter la base bleue. Oh, je suis un PGM. La base bleue. La base bleue, la base bleue, la base bleue, ouais, la base bleue. C'est celle-ci la base bleue? Oui, c'est celle-ci la base bleue. Il n'y a rien qui a pété, moi je vois pas ce qui a pété. Enfin, minimap, nous avons rien de spécial, à moins que... Non, enfin non, j'ai rien de spécial. Bon, on attend. Voilà. Ah oui, j'ai plus mon V, oui. Ça, du coup, hop là, je vais l'éteindre. Oh, j'ai mal aux oreilles. Ce casque, il est horrible. Ouais, pub! Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de On... Ah, j'ai entendu Hirschi dire une connerie, je crois. Bref, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Onlinse, n'hésitez pas à aller le faire. Donc Onlinse est modératrice sur le chat actuellement. Elle a une série dans Minecraft, elle débute dans Minecraft. Donc allez la soutenir, elle a passé récemment la barre des 500 abonnés et il y aura bientôt, très très bientôt, un event spécial pour ces 500. Et je vous assure que vous avez envie d'être abonné à sa chaîne, hein, si vous saviez ce qu'elle va faire. Enfin voilà, j'ai pas le droit de spoiler, de pas dire ce que c'est, donc allez vous abonner, c'est Onlinse sur YouTube. Alors, Azepi, je vais juste te demander 2 secondes si tu peux me laisser parler. Vas-y. J'essaie de le trouver. Alors, il y a Hippo Hippo qui, en fait, il dit que dès que tu auras fini le live, si les gens le veulent, il voudra bien mettre la map en téléchargement si tu le mets dans un mur. Si je le mets dans... Attendez, je vais déplacer parce que ça va être le bordel sinon. Si je... Déplacer Hershey, où est Hershey, où est Hershey? Dans un conteneur. Attendez, faut que je le trouve, je le vois pas. Hershey, où es-tu? Où est Hershey? Où est Hershey? Où est Hershey? Tenez l'équipe. Ça y est, je t'ai trouvé. Dis-moi, j'ai pas tout compris. Si on met la map où? Donc en fait, si tu veux, il te propose de te passer le lien de téléchargement de la map et que tu la mettes dans la description de la vidéo. C'est juste que je cherchais le mot. Ok, moi ça me va. Donc, ok, Mathieu, merci à Hippo, j'irai dire merci aussi. Donc, vous l'avez entendu, D'accord. Faut que je change de channel pour continuer à troller. ça roule. Vous l'avez entendu, si vous le souhaitez, dans la description de la vidéo YouTube, donc là vous regardez actuellement en live, mais si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube, donc là je parle aux gens dans le futur, la map est disponible dans la description de la vidéo. Rien de ça. Pas compris. La map est disponible dans la description de la vidéo. Oh, nous avons un truc intéressant. Dans la description de la vidéo, donc vous pouvez cliquer pour télécharger la map. Nous avons, je disais, quelque chose d'intéressant ici, nous avons de l'eau qui a coulé par-dessus la lave, donc il n'y a plus de Je lave dis pour cette juste qu'il y a des petits pervers qui s'attaquent à Onisir en Ah disant oui, j'ai qu'il vu, a mais elle est un assez grande problème. pour se défendre. Elle est assez grande pour se défendre. Je lui fais confiance. Par contre, je vois pas où est le totem, du coup. D'accord, le totem est là, dedans, ici. Donc c'est le totem des bleus. Le totem des bleus qui est à nu maintenant. Il n'y a plus de lave. Mon Dieu! Mon Dieu. Ah, mais du coup... Ok, les bleus font un peu de nettoyage. Est-ce qu'ils vont aller couper la source d'eau? Ok, ça c'est bien vu. Il a pété le pont qui faisait la source d'eau. Ah, quelqu'un meurt. Oh, il y a un jaune là au milieu, Suisse, qui est en train de faire du dégât. Ah, il y a Warnix par contre qui vient défendre. Là, ça va être chaud pour la défense. Est-ce que les jaunes... Il faut que tous les jaunes rush là. Il faut que tous les jaunes rush sur Totem. Ouh, il a de la chance, il a de la réussite parce que Vindox... Non, c'est pas Vindox, je ne sais plus qui c'était. Est tombé. Ouh, par contre, il se prend plus de dégâts. Je sais pas s'il a beaucoup de cœur. Il y reste 5 cœurs quand même. On le voit sur la minimap. Mais du coup, ça ne change pas. Eux n'ont pas le droit de poser de bloc en plus autour du totem. Hein, qui touche le totem. Donc là, ce bloc à nu doit rester nu. Voilà. Est-ce qu'on a... Ah, on a un bleu dans le TPAR.
D'accord, on a un bleu vers les coffres. Ah non, j'ai rien dit, c'est un bleu qui a posé un coffre à lui ici. Ok, il se fait sa petite base, sa petite maison chez lui. Mais sinon, nous avons toujours là-bas le totem à poil. Par contre, il y a un truc qui m'a... Où est Fligram? D'accord, nous avons Fligram là qui est dans la base des bleus et qui tape encore. Alors en fait, Onyxé dit que te cherche un remplaçant. Donc je suppose que ça sera moi plus tard. Non. La bonne blague. Hershey remplaçant. Non. Arrête, j'ai le charisme, j'ai un gros bonheur. Ah, on a un Suisse qui est là, on a... Ouh, merde, pas de bol. Oh, Suisse qui pousse tout le monde, Suisse qui pousse tout le monde, Warrior. Suisse qui est en train de faire une... Oh, est-ce que... Non, Warrior est toujours là. Suisse qui descend, Suisse qui redescend. Suisse qui brûle. On a Helipoil qui était en dessous, je suppose, avec sa lave. Ah non, il y a de la lave, il y a encore de la lave, d'accord. Donc, Warrior qui va mourir aussi et perdre. Faire perdre une équipe, une armure en diamant à son équipe. Voilà, c'est pas de chance. Warrior tried to swim in the lava. Et là, du coup, tout a brûlé. Voilà, putain, timeout, mon cul, j'ai pu rejoindre. Bug, j'ai rien compris. Je sais pas. Un bug sur Minecraft, il s'est fait expulser, ça a mis timeout vu qu'il n'arrivait pas à trouver l'adresse du serveur. Ah, d'accord, ok. Slash save. J'y peux rien, moi. Donc, Onyxé est toujours en train de dire qu'elle-même. Hein. Normal. Slash save. Enfin bon. La map, vous aurez la map originale, évidemment. La map sans tous d'Awa partout. Bon, ici, nous avons les chaudes. Toujours chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur stuff? Pas mal d'épées. Donc uniquement stuff diamant, je vais lister. Alors, Suisse vient de faire perdre. Ah, ici, on a encore une armure full en diams. Il vient de faire perdre une armure en diamant à son équipe, mais également à l'équipe adverse. Donc c'est au final assez positif, étant donné que eux sont entièrement full. Slash say voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'ils ont... Non, toujours pas, le totem est toujours à nu, donc c'est très bien. Il n'y a plus que Suisse qui faut qu'il rush. Enfin, Suisse, non, l'équipe jaune en entier. Il faut que l'équipe jaune fasse un rush global, massif. Et du coup, ils pourront péter ce thème. Voilà, donc simplement un rush de tous les jaunes en même temps. Il y a toujours 3 rouges connectés. Ok, 2 rouges connectés. Philippe vient de partir. On a Francis du 30. Qui lui est toujours dans son Mumble et Deref, je ne vois pas, il a dû quitter Mumble, je pense, je sais pas où il est. En tout cas, ils sont toujours les deux connectés là, et puis voilà. Bonjour vous, hello, bah, hop, non, je peux pas taper, suite. Ah, alors, on a ici. Hello. Où il est? Francis du 30 dans un mur. Ok, pardon, je dérange. Ah, je m'enlève. Et du coup, what else? Nous avons Suisse, vous voyez en bas à gauche la minimap. Ici. Non, ici. Ah non, c'est AR. Mais du coup, où est Suisse? TP Suisse. Mmh.
Je ne vois pas. Ah d'accord, on a AR là-bas qui se prend des coups, on a une araignée là. Suisse qui va peut-être essayer de friter AR. Ouh, il y a un Enderman juste derrière, ça va être dangereux pour Suisse. Suisse qui lui... Oh, ok, il lui reste un 9 cœurs, donc il a tout ce qu'il faut. Il essaie de shooter l'Enderman. Non, d'accord. Oh yeah. Alors, que fait Suisse ici? Ah d'accord, voyez sur minimap, on a un rush massif des jaunes apparemment. On en a un, donc... où ils sont? Pourquoi j'ai réussi à looter ça, moi? D'où ça me vient? Bon, je sais pas, bref. Où sont les jaunes? Où sont les jaunes? Où sont les jaunes? Je ne vois rien. On a un rouge ici, en tout cas. On a TNT qui pète ici, on doit avoir un jaune ici derrière. Ah, je suis en train de louper un combat, voilà, c'est Helipoil contre... Quel est ce pseudo? Jim! Helipoil contre Jim ici. Helipoil qui meurt, ça y est, Helipoil, le chien de garde. Il commence à fatiguer. Ah, par contre, derrière, juste derrière arrive Warnix qui arrive à récupérer le stuff de Helipoil. Je sais. Et puis nous avons Vindox ici aussi. Par contre, est-ce qu'il y a encore des jaunes? Oui, il y a Swiss TP. Ouh, il y a de la TNT qui pleut. D'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient? Là. Qui est-ce? Swiss? Non, la TNT, elle est pas là. Ça vient d'où la TNT? Elle est où? Là. Fantôme qui fait mal. Boum. Et oui, il fait des trous partout. Fantôme, il fait des trous. Les bleus qui commencent à être entièrement assaillis. Fantôme qui a également un Fire Aspect sur son épée. Voilà. Fantôme qui... Ah, Fantôme qui part. Fantôme qui part, qui est en feu. Ok, il va plonger quand même dans l'eau pour se soigner rapidement. Enfin, s'éteindre si vite que possible. Ah, et on a Helipoil tout nu. Helipoil. Ah, est-ce que Fantôme va pouvoir sauver son stuff? Est-ce que Fantôme... Ah, Fantôme est à nouveau en feu! Il n'y a pas d'eau autour de lui, Fantôme, il reste... Ok, 5 coeurs et demi. Il est plus en feu, parfait. Et du coup, ici, est-ce qu'on a encore un jaune? Oui, on a Damaeus, TP, Damaeus. Damaeus qui est encore dans les murs. Et TP, où est Suisse? Suisse, il est aussi dans les murs. Suisse qui a... Ouh, Suisse qui a... s'est trouvé un peu sur la lave, là. Ah, mais il est mort. Ah, il est mort! Oh, c'est pas de bol! Oh, c'est pas de bol! Oh non, c'est pas de bol. Ouais, non, c'est vraiment pas de bol. Il vient d'offrir l'armure en diamant à l'équipe adverse. Par contre, on a toujours... Damaeus. Qui est là, toujours dans les murs. Et qui se balade gentiment. Ok, il est en dessous. Est-ce qu'il va peut-être trouver le totem? Oui, il est en dessous du totem. Bon, il y a encore de la lave sous le totem. Ça, c'est dommage. Mais voilà. Sinon, nous avons toujours Francis Dutronc par là. J'ai peur. Ou je ne sais. Ok, ça dans les murs, vu les bruits. Ah non, c'est un zombie qui est en train de cramer. Où est Suisse? Suisse à déco? Non. Où est Suisse? Je le vois pas sur un minimap. Ah oui, d'ailleurs, il était derrière les. Il est en train de se restuff. Encore et toujours. Et eux, leur totem n'a pas été inquiété pendant une seule seconde. Alors, ah, c'est un mec qui te demande les plugins que tu utilises pour pouvoir faire les spawns, les cubos et tout ça. Ouais, ok, bah ça c'est une bonne idée, effectivement. Donc, les plugins que j'ai. D'ailleurs, je vais juste prendre la liste, comme ça je peux vous expliquer tout en détail avec leurs effets, enfin, comment je les utilise, parce que j'utilise absolument pas tous les plugins à 100%. Donc, dans l'ordre, nous avons Essentials. Essentials, c'est ce qui me permet de faire le game mode, de faire les commandes pour parler en message privé, etc. Donc ça, c'est vraiment, comme son nom l'indique, essentiel. C'est le plugin que tous les serveurs devraient posséder. Ensuite, j'utilise Permissions X, qui permet de faire différentes permissions, donc différents groupes. Bon, typiquement, vous voyez que si on regarde ici, Helipoil parle en bleu.
Fantôme parle en rouge, bon ça c'est le rouge admin. Si un rouge parle, normalement, ok, j'ai pas mis la couleur, mais on peut définir qu'il parle en rouge aussi, etc. Donc ça, c'est, ça me permet de faire des groupes. Après, les couleurs, c'est Chat Manager qui est fourni avec Essentials. Donc ça, c'est, ça fait partie d'Essentials, les couleurs des chats. J'utilise Vanish No Packet, qui est le plugin qui me permet d'être invisible, qui me permet de ne pas être visible sur la minimap non plus. Vous avez peut-être remarqué depuis le début, mais la minimap, on ne me voit pas dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai World Edit. Bon, bah, ça, c'est le standard. Hein. C'est ce qui me permet de faire des sélections, de faire tomber le mur de Bedrock et compagnie. Et World Guard, qui permet de faire des zones de spawn. Et par exemple, de faire que je peux sauver la sélection des murs centraux. Et les supprimer facilement, etc. Et ce qui me permet de faire différents spawns, c'est Essentials. Et la commande est très simple. Donc, si vous créez tout d'abord des groupes avec permission, donc le plugin permission, vous créez les groupes rouges, bleus, etc. Et après, avec Essentials, vous faites slash set spawn. Si vous ne mettez rien, ça mettra le spawn par défaut. Et si vous mettez après le nom du groupe, par exemple bleu, bah, les bleus réapparaîtront à l'endroit où je suis au moment de leur mort. Voilà, tout simplement, c'est la liste des plugins que j'utilise. Rien de bien folichon, rien de bien spécial. C'est tout. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, merde, on a un nouveau du monde qui est ici. TP Suisse, où est-il? Où est-il? C'est où ça? Oh, c'est là. Bonjour. C'est l'équipe de qui ça? Ah, mais c'est. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Pourquoi est-ce qu'ils se battent dans la base des rouges? Je veux savoir. Fantôme en tout cas et AR qui vont mourir à cause d'un creeper. Non, le creeper on s'en fout. Et AR51 qui perd encore une armure en diamant. Pour son équipe. Ok, DRF fait équipe avec Fantôme, donc équipe jaune apparemment. Et ça semble être aussi le cas pour Francis, qui avait, je le rappelle, explosé tous les blocs de l'équipe. Bon, Suisse est toujours ici en haut. Suisse est ici en haut. Alors, et sinon, est-ce que tu pourrais dire quel plugin tu utilises pour faire tomber les murs de Bedrock? Ah, alors, oh, bah écoutez, ça c'est très simple, hein. World Edit. Vous tapez slash slash wand, vous recevez une pioche en bois, une hache en bois, pardon. Après, vous faites une sélection, donc par exemple ici et ici. Et je peux définir que je fais un set dirt. Voilà. Et vous voyez, ça remplace tout par de la dirt. Donc je fais exactement la même chose avec les murs. Je sélectionne de là-bas à là en bas. Et je fais slash set, slash slash set bedrock, ça fait les murs. Et après, pour les enlever, je fais simplement ça, ici. Si je, hop, undo, ça annule, et hop, là, la dirt a disparu. Je fais la même chose avec les murs de bedrock. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, il n'y a pas de mort ici. Non, rien ne se passe. Et là, on a Suisse qui est à la VP, à la WAP, et qui shot Windux. Target. Non, je ne ferai pas spawner des ghasts. Les ghasts, je fais spawner quand il y a de la camp uniquement. Pour créer des groupes, c'est permission ex, vous faites slash pex groupe, le nom du groupe, violet, create, groupe violet créé. Et après, bah, je vais quand même pas vous expliquer tout comment fonctionne permission ex, moi-même j'ai pas tout compris, hein, il est très compliqué, mais je vous laisse aller sur la page du site, bon, c'est en anglais, et ça vous permet, il y a tout qui est expliqué dessus. Et Onlinse me dit qu'elle a 560 abonnés, donc elle a eu 60 abonnés, 45 abonnés de plus depuis le début du live. Ça fait pas 200, hein. Vous êtes 200 là, vous devriez être 200, vous êtes abonné sur sa chaîne. Allez vous abonner à la chaîne de Onlinse sur YouTube. Elle fait des vidéos, elle est débutante dans Minecraft, c'est très rigolo à regarder. Donc que fait celui-ci? Fait un petit tour. J'ai le chien qui gratte à la porte, j'arrive. C'est la petite minute hiérarchie, donc vu qu'il n'est pas là, je dis que de la merde. Donc, alors, nous avons ici une magnifique cascade de lave
Voilà, j'espère que je n'ai rien loupé, désolé pour la vue un peu moisie que je vous ai laissé. J'ai pensé grâce au mouton qui passe devant l'écran, mais je ne vous dirai pas à ce que je pense. Que se passe-t-il ici? Nous avons Francis et Fantôme qui sont dans la base des... dans leur base. Francis qui fait équipe avec les bleus, les jaunes, les violets, les verts, bleus, non, rouge, jaune. Ici, rien. Allez, ça fait 3 heures qu'on stream. J'espère que vous ne vous ennuyez pas. Moi, en tout cas, ce n'est pas le cas. J'ai loupé un kill. J'ai loupé Helipoil qui a été tué par... Ah ok, on a eu pas mal de kills en fait. Désolé, j'ai loupé des trucs. On a Warrior là qui fait le videur. Vous ne passerez pas. C'est pas possible. C'est désolé, c'est pas possible. Le videur, vous ne passez pas. Vous ne rentrez pas dans le totem. Oh, quelle imitation foireuse. Bon, je t'emmerde, Hershey. Oh. Alors. Fatigué, hein, si tu veux je remplace. Non, non, ça va. Les deux équipes sont dans leur base. Merci de bouger. De bouger. Ah, je suis plus vaniche. Ah, ok. J'ai pas entendu la minute d'Hershey, je la censurerai sur la vidéo YouTube, ne vous en faites pas. Quand même que le show reste quand même moins de 18 ans. Non, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Hello! XM qui sort un petit peu, non même pas. Bon, vous vouliez voir le chien, je vais vous montrer le chien. Alors attendez, je vais lui faire un peu de place pour pas qu'il marche sur tout et n'importe quoi. Hop là, comme ça, et comme ça. Hop. Voilà. Et attention, SDP va se faire griffer. 3, 2, pardon ? 1. Rien compris ce qu'il a dit. Et il ne s'est rien passé. Bah. Allez, attendez, hop là, on fait comme ça. Hop. Ouh, vous avez vu l'arrière de mon écran. Oh, la caméra prend cher, là. Oh, hop. Voilà. Là, je vous vois plus rien. Yaka. Oh, cette variation de SDP, je suis viens. Choqué. Hey, viens. Allez, viens. Tiens, tu veux ça? Viens ici. Non, ici. Viens. Chien. Chien, reste plus loin. Reste plus loin. Bon, vous voyez, elle veut pas venir. Hershey, ta gueule! Elle ne veut pas venir. C'est Irka. Pourquoi ton haine encore une fois? Ah, et j'ai entendu des explosions, moi. Qu'est-ce se passe-t-il? Hop là, voilà. Ah, suisse. C'est mort. Non, non, c'est Helipoil qui est mort. Attendez, il faut qu'il m'explique pourquoi il veut balancer de la lave maintenant alors qu'il n'y a plus de lave sur le totem. Hmm. Ah non, là c'est bien vu. Warnix, Warnix, Warnix qui s'en va. La lave ne coule pas assez vite malheureusement. Ah. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a... Ok, on a Jim qui est là. Ici, Jim, qui est poursuivi par deux creepers. Pendant ce temps, on a toujours Warnix, qui est en train de camper dans son totem. Et Vindox. Non, il reste deux équipes. Oups. J'étais pas sur le chemin, ça va. Toujours Azepic, non. Suisse qui snipe. Vindox, il lui reste... ouais. Pas trop de coeurs, 5 coeurs, 5 heures et demie. 6 coeurs, 6 coeurs et demie, pardon. Et là, du coup, il faudra quand même aller rusher dans le totem. Ah, on a Fantôme qui est là. Fantôme contre 2 joueurs. Fantôme. Ah, Jim s'est fait exploser. Tant pis.
Et là par contre nous avons fantôme en feu, fantôme qui. Voilà, qui n'est plus en feu, qui se fait attaquer par contre par une araignée. Il n'y a plus de casque. Je pense que les jaunes commencent à être un petit peu à court de d'armure. Par contre, on a toujours Suisse qui est là. Que va-t-il essayer? Ok, ok, ok. Suisse qui est dans le totem. Attention, il va se heurter à Warnix. À moins que. Ah, oui, voilà, Warnix qui se fait shooter par Suisse. Mais il y a Aer à côté. Ah, où est parti Suisse? Il remonte. Bon, d'accord. Voilà, je suis pas certain que tout se passe comme Suisse l'avait escompté parce qu'on a Warmix en dessous. Suisse qui est bloqué maintenant, qui ne peut plus remonter et qui commence à se prendre des flèches et des flèches et des flèches. Et voilà, Suisse qui meurt et qui fait perdre une armure en plus en diamant à son équipe. Dommage. Voilà, voilà. Ah non, c'est Warrior, pardon, Warrior qui récupère tout le stuff. Ah non, c'est Warnix. Non, c'est Warrior qui a cela. Bah voilà. Bon, que se passe-t-il? On est quand même à 7 contre 5, hein, parce que là, il y a deux rouges qui ont rejoint l'équipe des jaunes. Et du coup, moi, je pense, si j'avais été les bleus, j'aurais rushé comme un sauvage. Parce que là, il faut se dire que à force de perdre des équipements comme ça, il ne devrait plus y en avoir beaucoup. Donc voilà. Bon, vous êtes d'accord que autant la base était jolie avant, autant là c'est vraiment devenu dégueulasse. Ah, attention, petit combat ici entre Warnix et Fantôme. Fantôme qui ne peut pas profiter malheureusement de son Fire Aspect à cause de l'eau. Ah, mais Warnix a aussi un Fire Aspect, alors lequel va remporter? Voilà, Fantôme meurt, je pense qu'il vient de faire perdre la dernière armure en diamant de son équipe. Alors, il y a encore un plastron ici. Un rouge. Ici, nous avons... Suisse qui a, ok, encore un demi-stuff en diamant, mais je pense que c'est gentiment la fin. Ça va être chaud, ça va être très très chaud pour les jaunes. Alors, est-ce qu'il leur reste peut-être du stuff en iron? J'en ai pas spécialement l'impression. Hein. Non, non, non. Toujours pas. Alors, ils ont des stuff en iron ici. Et ici dedans, apparemment, là, ils vont même pas voir, donc ils savent qu'il n'y a rien. Il reste des épées. Et quelques pièces d'iron, mais pas grand-chose. Bon, au niveau de la map. Ouh, on a DRXM, TP DRXM. DRXM qui est caché dans la base, mais qui n'est pas en sneak, par contre. C'est dangereux, ça. Elle est cachée dans la base. C'est qui? Mais on a... Et vous voyez, à part Helipoil... Tout le monde attend full diamant. Par contre ici, Suisse a foutu un beau darwa avec la lave. Et du coup, lorsqu'il... Où est leur spawn déjà? Je sais même pas où est le spawn. Il est là, derrière. Comment est-ce qu'ils font pour sortir de leur spawn? Alors, par là. Par là, d'accord. Par là, ils peuvent pas, il y a de la lave. Par là, ok, là il peut encore, mais c'est un peu le bordel. Et j'ai un chien qui gratte le deuxième chien, je reviens. Décidément, c'est clever, hein, je vous jure. Enfin bref. Et Jim, où était-il? Warnix. Warnix qui est en train de faire une petite balade dans la plaine. Oh. Ah. Non, okay. Salut. Tiens, bonjour. Attendez, je vais l'amener ici. Hop. Attends, je te démute. Attends, je te démute. Bonjour. Oui, je l'ai. Bonjour. Bonjour. LOL, je vais apprendre à configurer le truc et moi, tu me déplaces pas. Ah, je m'assois qui bug. Hop, là. Coucou. Bonjour. Ah, enfin, quand même. Voilà, donc... Tu me déplaceras enfin. Bah voilà.
Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau du live? Mais en fait, du coup, j'entends plus le live, Ah donc bah ouais, voilà. voilà, maintenant t'as un double, hein. Ouais, par contre, évite de presser le bouton quand tu regardes le live, s'il te plaît. Oui, j'habite. Non, mais en fait, je vais partir, mais je veux juste dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Puisque j'ai maintenant 561 abonnés. Merci, ça va, hein. En fait, il s'est cassé, c'est ça. Ah, attention, il y a As de pique qui gueule sur ses chats. Et là, nous avons une vision sur une mamie. Je suis là. Mais les chiens qui se battent entre eux, non mais je vous jure. Ah bon, alors, on a Dameus, TP Dameus. D'accord. Il est pas loin, mais pas dedans. Et sinon... Eh bien... Oh, après, je pense que je vais couper le live. Vous avez vu l'heure qu'il est? J'ai pas encore mangé, je suis claqué, ça fait 4 heures. Bientôt 4 heures, quoi, je suis en live. Donc, je ferai pas de live après. Par contre, je vous tiendrai au courant si on en fait un demain. Non, pas encore. Non, pas encore, pas encore. Bon. Ah, attendez, on a un jaune là-bas. TP fantôme. Fantôme qui se prend des coups de la part de... Ah d'accord, les bleus ont fait une incursion chez les jaunes. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Ils ont plus de stuff les jaunes. Il n'y a plus que fantôme là qui a un demi-stuff en diamant. Et fantôme qui... Ah ok, j'ai cru qu'il allait brûler, mais non, il a de la chance. Et Alipoil qui va essayer de... Alors là, attendez, les jouer un peu avec le feu. C'est le cas de dire, est-ce que... Alipoil ou fantôme? Fantôme qui brûle, fantôme. Et Alipoil qui brûle aussi, non! Attention, attention, attention! Fantôme qui brûlait jusqu'à la mort. Et Alipoil. Non, Alipoil pas. Alipoil a de la chance. Sinon, nous avons. Au niveau du totem. Non, personne n'a touché au totem. Faudra déverser de l'eau sur cette lave. Hein. Sinon, nous avons DRXM contre Warnix. Warnix full stuff diams. DRXM également. Dernier armure en diams. Donc, un des derniers espoirs. Des équipes jaunes, de l'équipe jaune, voilà, l'équipe jaune qui est toute nue. Hop, la mouche. Et Warnix qui tue 1. Warnix qui tue... Non, pas 2. Voilà, Suisse qui vient sauver l'honneur et qui tue Warnix. Ah, Suisse qui meurt, par contre. Qui meurt. Et du coup, bah, les jaunes sont... Les jaunes sont chez les rouges. Non, les jaunes sont chez eux. Non, non, c'est... J'ai rien dit. Les jaunes sont chez eux. Et les bleus sont retournés à leur maison. À l'exception d'Alipoil. Alipoil qui est là. Poursuivi par DRXM. Alipoil qui a dû, je suppose, récupérer du stuff. Nous allons voir ça. Ah, ils ont encore plein de stuff en diam, ceux. Hein. Rien ne bouge. Rien ne bouge, rien ne bouge. Bon, rien ne bouge. Sinon, on a TPAR qui lui s'approche également. Alors, est-ce que le... Oups, non, c'est pas... Okay. Où est-ce qu'il va? Ah, il fuit, d'accord, il y a fantôme derrière. C'était donc ça. Est-ce que les jaunes vont se prendre leur tour... comment on dit? Une expression pour dire quand... Oh, meurt. R51 qui meurt. Est-ce que quelqu'un va aller penser à récupérer son stuff? Je ne sais pas. Le retour du... Comment c'est? Je sais plus. Bref. Le revers de la médaille? Non, je sais plus. Alors, il y en a qui te propose de faire le... Le tournoi du tube, mais en version Balls of Steel. Ouais, mais j'ai dit, je ferai plus de gros tournois, parce que le problème des gros tournois, c'est que ça prend tellement de temps, les joueurs, c'est fixe. Après, on a des équipes, des gens qui s'inscrivent, qui sont plus là, donc je vais pas faire de gros tournois. Mais je ferai des parties, ça, y a pas de problème.
Alors, les jaunes qui sont en retour chez eux. Ah, par contre, on a Warnix, Fantôme. Ils sont plusieurs là. Warnix, Fantôme et Helipoil qui sont par là. Ils sont là. Voilà, tout simplement. On a Jim tout nu. Jim tout nu qui meurt. Et là, on a au niveau du full stuff, on a Suisse et DRXM. Qui sont en train de fight. Et Warnix qui a été shooté. Ouh, joli Warnix. Non, joli DRXM qui a réussi à exploser Warnix à l'arc. Et par contre, est-ce que nous avons peut-être... J'en ai perdu un. Ah, Helipoil qui a retourné chez eux. D'accord. Non, il y en a encore un d'après ma minimap. C'est Fantôme, je sais plus. Ouais, c'est Fantôme. Oh, bah une fois de plus, on attend. Allez, je vais aller me poser là-bas en haut. Et je ne bouge plus. As de bif en mode feignant. As de pique, ça fait 3 heures qu'il bosse. Hein. Pour une fois que tu fais quelque chose. Hey. Ah, on a une petite... Je pourrais dire aussi, Archie, ça fait 3 heures qu'il bosse, parce que ça fait 3 heures qu'il te troll quand même. Et moi, ça fait 3 heures que je fais de la modération. Ah, depuis qu'il a pas mangé, il crève de faim. Mais t'arrêtes de te plaindre, oui. Alors, la balle est de nouveau au centre. Nous avons Fantôme. Où est Fantôme? Ah non, attendez, non. Je raconte des conneries, moi. Bleu, jaune. Ah non. Je confonds les couleurs là. AR51 qui fouille excessivement leur coffre. Je pense qu'ils ne doivent plus avoir d'armure. Et après, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit ça fait 2 heures que t'as allumé le four. Je l'ai éteint déjà. Il y a 10 minutes. Mais oui, effectivement, j'avais oublié. Ah, parce que je me disais sinon. J'avais pas encore mis les pizzas dedans. Ça va. Mais à part ça, t'aurais dû me dire que je serais venu si je te ramenais un truc. Non, mais c'est bon. Ah. Bah non, tu peux pas venir, t'as pas de vélo. Tu sais pas en faire de toute manière. C'est très bien quand même. Bla bla bla. Il n'y a pas que le vélo pour se déplacer. Hein. Mais c'est qu'elle me snob maintenant. Ah oh bah attends, hein. Oh, maintenant il y a As de Pique qui a montré ses beaux becs à la cam. Quoi? Quoi? C'est quoi? Rien du tout. Ouais, si il fait pas le genre, tu regarderas sur la vidéo, hein, moi je te le dis, hein. Mais j'ai le t-shirt derrière moi qui est tombé. Ah, Suisse qui va pouvoir faire un peu de dégâts. Ah, Suisse qui meurt. Non, Suisse qui tombe, mais qui n'est pas encore mort, mais ça va pas tarder. Suisse qui est mort. Et qui perd encore une armure en diamant pour son équipe. Pas de bol, hein. Pas de bol. Voilà. Brûle. Ah, ils avaient commencé à boucher le spawn là, et ils ont pas eu le temps de finir. Apparemment. Je crois que cette fois il n'y a plus de stuff, hein. Suisse. Voilà, y aller après. Encore un peu d'iron ici. Mais sinon, attendez, on a. On est côté jaune, et là il y a plein de bleus. Ah non, ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Slash TP fantôme. Merde. Slash TP fantôme. Ils sont tous de l'autre côté. Et maintenant ils back. Comme toujours, t'as loupé l'action. Ah, et fantôme
Mais il se passe plus rien là en fait, ça devient chiant. Ouais bah j'attends que... Mort subite, hein. Y en a qui demandent. Hein. T'attends quoi? Mais j'ai pas envie d'activer la mort subite parce que pour la finale ça me ferait un peu chier quand même. Bah ouais, mais en même temps s'il bouge pas... Hein. Bah pourquoi tu fais pas une mort subite, genre tu les re-TP tous à un endroit et puis par exemple tu fais un combat épique, full staff diam et épée en diam et puis voilà le dernier qui survit fait gagner son équipe. Sinon ce que tu fais c'est que tu les mets tous au centre de la map et puis comme ça au moins c'est le premier qui arrive à miner le totem de l'autre. Ça va plutôt être un bain de sang et du coup y a tout le monde qui va mourir au centre quoi. Ça va rien changer. Bah il se passera quelque chose au moins. On est de quel côté là? Oh, on est bien sur le côté des bleus. Ah mais attends, il y a un bout de totem qui a été miné là. Là par contre ça c'est illégal. Tu leur enlèves un bluff là. Non, non, j'ai... j'ai enlevé le... J'ai enlevé la dirt. Voilà, comme ça, ça ira. Bon, au niveau de la map... Attendez, alors il y a du monde qui se déplace, slash TP et le poil. Il y a du monde qui se déplace dans l'équipe. Oh, on a encore Derixem qui est en full diams. Hein. Encore et toujours. Hop là, il y a les poils qui tombent. Warnix qui réussit à passer. Attention, Warnix qui shoot Derixem en dehors de sa propre base. Ah, mais il va quand même aller la chercher. Warnix contre Derixem, Derixem qui a pris beaucoup de coups. Est-ce qu'elle va réussir à survivre à ça alors qu'elle se fait aider par Suisse derrière à l'arc? Suisse ne veut pas que sa copine se fasse taper. Non, ne le tape pas. Attention. Attention, Derixem contre Warnix qui va remporter le duel. C'est plus vraiment un duel vu qu'il y a Suisse qui est à l'arc quand même. Warnix qui finit par back. Et par contre, pendant ce temps, on a Elipoil qui est là. Elipoil dans sa propre base. Hop. Enfin non, Elipoil dans la base ennemie, pardon. Et qui se fait... attendez, il back à cause d'un mec à poil. D'accord, d'accord. Et, ah d'accord, il lui reste un cœur ennemi à Elipoil. Qu'est-ce que tu veux, c'est Elipoil, hein. Et Warnix qui finit par mourir, qui a été shooté à l'arc par Suisse. Et du coup, on a Fantôme, Francis et Jim. Alors, Elipoil, est-ce qu'il a régène un petit peu? Oui, il a régène un peu, il a à moitié de ses cœurs. Et Jim qui meurt sous la lame d'Elipoil. Et on a Derixem qui est toujours là. Derixem qui a régène quasiment tous ses cœurs. Encore une fois, non? Non, non, mais je l'ai vu qu'une fois. Hein. Jalousie. Attention, les feux de l'amour viennent de commencer. Les feux pas de du tout. Suisse. Alors, nous avons maintenant Damus. On s'amuse comme on peut. Hein. Où est Damus? Ouais, j'avoue. De toute façon, les rouges restent chez eux, donc ça sert à rien de les enlever. Hein. Tu te grattes quoi là? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu te grattais quoi là? J'ai tiré le câble. J'ai tiré le câble du micro. Bon,
Je crois alors. Nous ne dirons rien de ce qui vient de se passer. Nous n'expliquerons rien. Bon, ça va, il y a tout le monde qui a entendu mourir de merde comme ça. Ouais, ça va, c'est pas trop un rire de merde, hein. Si, si, je t'assure que si. Ah, attendez, je vais juste vérifier un truc. Ouais, genre, ok, il reste deux blocs à ce totem. Personnellement, elle a le même rire. En fait, ça fait un peu genre... Pouvez aller discuter ailleurs, s'il vous plaît. Merci. Alors... Bon, dans environ 5 minutes, on parle tricot, hein. Non, mais je vous vire de Dieu, hein. C'est bon, je me tais, mais lève-toi mais... pas. Ah bah, on prend le canal avec notre petit truc qui te permet de te parler. Alors... de poser des blocs qui touchent le totem. Voilà, bon, on a Suisse et Fantôme qui sont là. Suisse tout nu qui vient poser une TNT quelque part. Mais là, les bleus sont vraiment en train de camper chez eux, hein. Alors attendez, on va aller chez les bleus. Oui. Après, on va perdre notre. Oui, voilà, c'est juste parce que là, je sais pas tirer mon cœur. Il y a Gokuki qui vient toujours en finale. Et qui aussi Gokuki. Gokuki. Alors, Gokuki. On campe pas, on défend, ils arrêtent pas de nous attaquer. Ouais, on a attaqué. Après ça, attaquer. Putain, je me suis fait tirer par le squelette. Oh non, on se fait brûler. Je vois pas Gokuki. Mais il n'arrête pas de venir. Ah, Gokuki, d'accord. Bon, on veut la vue, c'est chiant. On s'est fait brûler. Bon, on va. Je vais ban Gokuki. Gokuki. Attends, je pars sans toi. Bah oui, vas-y, je te rejoins. Fais gaffe, je suis passé par le dessus, mec. Hein. Vas-y. Ah, mais moi je pars si je veux pas. Alors, est-ce que vous voyez Gokuki quelque part sur le Mumble? Non, il s'est déconnecté. Ah, ok. Alors, pardon pour le live. Gokuki, tu te prendras un ban la prochaine fois que tu te reconnecteras parce que t'as pas allé dans les channels des équipes pendant qu'il y a un match. Hop. Allez, moi je m'installe, je commence vraiment à avoir la dalle, je vais tomber en niveau glycémique. Non, peut-être pas quand même, mais je commence à avoir faim, hein. Tu fais très bien le mort. On va te chercher un truc à manger. Mais j'ai rien là. Bah Pierre, tu te poses devant une base et puis nous on s'occupe du reste. On commente, on est bon pour ça. Ouais. Bon, je vous laisse commenter quelques instants, voir si je trouve un truc à bouffer, je reviens. Ouais. Ok. Et vous sur le chat, je compte sur vous pour me dire si jamais il raconte des conneries.
alors, moi je sais pas, mais à chaque fois je prends deux clics de deux doigts, je me plie les doigts. C'est bien. Bah écoute, moi je suis en train de tricoter des chaussons pour As. Des chaussons? Bah ouais, le pot. Il aura même plus de... Comment tu vas faire? Il aura une semelle compensée avec de la laine. Ah bah ouais, la semelle compensée il faut, hein, parce qu'il est tellement petit que... Il va me tuer. Trop. Il va nous tuer en fait, mais... Ouais, c'est clair. Oh là là. Mais franchement, oui. Je pense que... Je sais pas, mais j'ai pas trop vu à la Japan Expo, mais en fait, je suis vachement plus grand que vous en fait. Bah, ah si, il est plus petit que moi en fait. Tu mesures combien? Sérieuse. Bah là, je fais 1,90. Bah, moi, je fais 1,70 m et puis lui, il fait genre 2-3 cm de moins que moi. Alors, 1,70 m, ça fait 1,70 m, ok. Ah ouais, oui. Bon, bah, j'ai rien trouvé. Ah oui, alors, faut dire. J'ai rien trouvé. Tous ceux qui regardent, vous ne dites pas ce qu'on a dit. Voilà, c'est bon. Ouais. Je regarderai la vidéo avant de la mettre sur YouTube. Hein. Oh, mais c'est ballon! Ouais, j'avoue. Ah, purée! Alors, on a Jim qui est là. Si t'as de la peine à commenter, on continue avec Hershey, on se sort bien. Non, non, c'est bon. Vous avez le décalage sur l'image. De toute façon, on commentait pas vraiment ce qui se passait, hein. Je pense bien. Maintenant, en fait, ils sont tous en train de me traiter de géant et de girafe, en fait. Alors, on a trois jaunes ici. T'as toujours pas besoin d'être pour comment. Non, ça va, je crois que je vais plutôt vous muter en fait. Regardez, moi je peux faire ça en fait, j'ai la commande pour forcer le mute. Hop. Et hop, voilà, comme ça vous pouvez m'entendre, mais vous pouvez même plus parler entre vous. Ah, vous trouvez pas que ça fait du bien un peu la paix là? Un peu de paix, tranquillité, silence, plus de conneries. Ah. Bon, alors, que se passe-t-il? Les jaunes sont toujours là. Et les bleus sont toujours en train de camper. Les bleus ont gagné? Da fuck? Oh yeah. GG les rouges. Non. Les bleus. J'ai pas tout compris. Mais GG. Bon, eh bien, les bleus remportent la victoire. Les We Are Legends remportent le match. Alors, je vais aller dans leur channel. Et voir ce qu'ils ont à dire. Félicitations. Oh, bravo, vous avez gagné. On les a baisés, on les a baisés, oh oui, oh oui. Alors, expliquez-moi un peu ce qui... Attendez, un peu de silence, s'il vous plaît. Désolé les attentes. Heureusement que j'étais là, quand même. Attendez, expliquez-moi juste qu'est-ce qui s'est passé. Bah, j'ai... En gros, il y a eu un prêt. Je leur ai pété leur token. D'accord.
Ok, en fait, en gros, t'en as eu marre et t'as dit je vais finir le match, quoi. C'est ça. Ok, bah en tout cas, félicitations. Bravo les rouges. Hein. Et Francis, je sais pas si tu étais sur le live un moment ou pas du tout. Non, pas du tout. Tu as gagné le move du match. Tu as fait le move du match avec quand t'as pété tous les coffres là. Ouais, ouais. C'était génial. Donc voilà, là, bah félicitations. Un petit bonjour sur les jaunes parce que vu que c'est eux qui nous ont pété le totem. Ça faisait 3h30 qu'on chez. Ah putain, j'en peux plus. Ah, moi je suis raide, je suis beau aussi. Uploader celle-là, bonne chance. Hein. Pardon ? Uploader celle-là, bonne chance. Ah, mais c'est bon, c'est Twitch qui le fait tout seul, moi je fais rien. Ok. Donc voilà, bah en tout cas, félicitations. Et puis, bien joué le cul de pute. Bah, je vais le déplacer maintenant chez les jaunes. Félicitations, c'est avec un C. Bah oui, c'est avec des S. Bon, et eh bien, GG quand même les jaunes, hein. Moche. Ouais, ouais, c'est moche, effectivement. Vous avez été trahi par les rouges. Vous avez été trahi par. C'est Francis. Il a dit il s'est vengé du fait que vous ayez éliminé sa team. Donc voilà, bah c'est dommage parce que. Hein? Non, je dis vraiment, on aurait pu gagner. Ah, vous l'a gagné, c'est sûr, ouais. Bah, vous aviez plus beaucoup de stuff en diams. Mais effectivement, vous étiez à deux doigts de la gagner. N'arrêtez pas de les gagner, des perles. Ouais. Mais l'épée enchantée. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de mérite d'avoir gagné avec un à cause d'un traître, mais bon. Bah voilà, bon, en tout cas, félicitations quand même, vous êtes bien battu. Ouais. Et puis vous serez les bienvenus pour les prochains combats. Fantôme, ton épée, elle me les a brisés, mais tellement. Ah, oui. T'as vu le voleur ? Qui ? Tout seul. Fly, j'ai pas vu non ce que t'as fait. Ah ouais, pas mal hein. Franchement, on les a empoisonnés. J'ai pas vu ce que t'as fait, Fly. Bah, j'ai vu que un cul hein. Ah, d'accord. Du totem ? Oh, t'as même pas vu. Ah, j'ai pas vu, ok, d'accord. Oh non, t'as raté ça. Ah ouais, je suis désolé, j'ai pas vu ça. Ah, t'aurais dû regarder, c'était fabuleux. Bon, en tout cas, j'ai vu quand t'es arrivé dans leur base et que t'as tout d'un coup t'es venu et puis t'as fourré leur coffre après que tu les tapes, là j'ai vu. Ouais. C'est Bouboule. Non, c'est Filigrane. Ah, c'est Filigrane, ok. Ah oui, putain. Bah voilà, moi je vais vous laisser. Au moins j'ai détruit un cube. Oh, mais une base elle ressemble plus à rien quoi. Ouais, les deux bases, ouais. Champ de bataille, base. J'ai galéré à niquer le totem des jaunes quand même. Bon, en tout cas, félicitations aux deux, vous avez les deux équipes gagnantes, disons. Donc, We Are Legends, vous êtes premier, et Never To Hold, deuxième. Félicitations, et puis moi je vais vous laisser, je commence à crever la dalle là. Merci d'être venu, j'espère que ça vous a plu. On a eu 220 personnes, je crois, quand il y avait le plus de monde, et là il y a encore 170 personnes. Pour avoir poursuivi ça. Ouais, GG à tout le monde. Hein. Qui était le GG à tous les Twitchers, à tous les Exactement. Qui était le Twitcher? Eddie Poil. Bon, allez. On peut pas faire une attaque cuisine sans qu'il y en avait un qui venait en haut là. Allez, à plus tout le monde, merci d'être venu et à la prochaine. Ouais, salut. Ciao. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je vais encore démuter juste mes deux modérateurs. Je vais vous démuter dans 3 secondes. Hein. Voilà, donc en tout cas, merci à vous d'être venu. J'espère que ce tournoi vous a plu, ce match était palpitant, en tout cas au début un petit peu plus long sur la fin, désolé. Mais vous retrouverez cette émission sur Twitch sur YouTube, d'ici demain je pense, je vais essayer de la mettre d'ici demain. Je pense pas pouvoir la mettre en une seule partie, mais en tout cas en deux, ce sera sans problème. Voilà, merci encore d'être venu. Je ne fais plus de live maintenant, je vais couper parce que je suis crevé, je suis raide et j'ai faim. Mais demain on verra pour faire un live, demain soir peut-être. Et voilà, je vais démuter mes modos, voilà. Et voilà, je vous ai démuté, comme ça si vous avez le mot de la fin à donner. Oui. J'aime le piment d'Espelette. Ok, merci. Non, moi je veux encore dire merci une fois à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, puisque j'ai 565 abonnés. Bah voilà. Bah merci à vous, merci à tout le monde, merci aux modos, merci aux joueurs, merci aux viewers. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain live et on refera des terres du cube bientôt, il n'y a pas de problème. Allez, bonne soirée, bye bye et bon week-end. Ciao, bye bye.